Bonsoir les amis, quelques heures après le match pitoyable auquel on a assisté hier, un match sans caractère de la part de nos joueurs, un match sans motivation, un match sans volonté, sans couilles en fait, un match sans couilles quoi, on peut résumer ainsi, des joueurs qui n'ont pas assumé leur statut, des joueurs qui bouffent notre argent pour au finish ne rien foutre sur le terrain. Vous savez de qui je parle? Je parle de Dimitri Payet, je parle de Sanson, je parle de Florian Thauvin, je parle même de certains qui sont sur le banc et qui sont rentrés par la suite. Des Strootman, des joueurs qui bouffent notre argent pour au finish nous regarder pendant 90 minutes. C'est vraiment triste. J'ai une pensée pour tous les supporters. Ici, au Sénégal, on l'a mal vécu. Franchement, on l'a mal vécu. Hier, peu de gens ont eu un sommeil tranquille. Certains n'ont même pas pu dormir. Imaginez les gens avec leurs problèmes personnels et qui sont encore là à pleurer ou qui sont encore là à se peiner pour un OM contre Porto, contre Manchester City. On accepte volontiers de perdre, même si moi je pense que on pouvait quand même lutter, mais on a perdu, c'est pas grave. Mais contre Olympiakos, contre Porto, au finish, nous, quel est notre réel niveau? Moi je, on a le niveau pour jouer, pour gagner ces équipes. Mais le problème est que nos joueurs ne portent pas leur couille. Il faut qu'ils portent leur couille. Avec B, il faut faire des changements. Quand un système ne marche pas, on trouve un autre système. Quand un joueur ne performe pas, qu'il aille sur le banc. Aucun joueur n'a droit à un totem d'immunité. Soit il joue, il performe, soit sur le banc, ou bien en tribune, ou bien qu'il reste à la maison. On n'est pas là pour faire du sentiment. Pour... Non, c'est du foot. Soit tu performes, soit tu t'assois sur le banc. Tu prends un jeune gay qui a fait des choses très bonnes depuis qu'il est là. Tu prends un Cuisance qui, depuis qu'il est là, certes, il y a des manquements, mais au moins, il est mieux que l'autre là, le numéro 10 là, celui qui pèse 300 kilos. Faut le faire jouer. Il n'y a pas de totem d'immunité. Il n'y a pas de cadre. On s'en fout. On a trop cru en nos cadres. On a trop cru en eux. Ils nous ont trahis. Ils nous ont laissé tomber. Face à Olympiakos, face à Saint-Étienne, face hier contre... Je ne sais même plus contre qui on a joué. Contre Porto, voilà. Hier face à Porto. Comme on dit, nous on n'a pas le choix, on supporte le club. On s'en bat les couilles des joueurs, on supporte le club. Même si le club, quelles que soient les difficultés du club, nous on va supporter. Mais quand même, qu'ils nous fassent honneur quoi. Les gens sont confinés, d'autres ont perdu leur boulot, d'autres voilà, sont dans des difficultés extrêmes. On n'a que le foot pour nous redonner le sourire. Il faut se bouger le cul les gars. Espérons que vendredi contre Strasbourg, on va quand même pouvoir célébrer une victoire. Et au match retour face à Porto, on va au moins briser cette malédiction. On est en tant qu'Olympique. Moi, j'ai même honte. Je vous dis, je marche dans les rues de Dakar. J'ai honte. Je ne sais même pas quoi dire, quoi répondre. On supporte l'Olympique de Marseille avec cette étoile. On est là. Tous ces matchs sans victoire. 3 matchs, 3 défaites. 0 but marqué. Et tu as Payet dans ton équipe. Tu as Thauvin dans ton équipe. Tu as Benedetto qui court comme un sprinter. Lui, il croit que on est dans l'athlétisme. Bon. Les gars. Ciao. On se retrouve après le match face à Strasbourg pour débriefer.